Je m'appelle Ribaï Hachmi. Je suis né le 9 mai 1964 à Bizerte. En France, dès l'âge de 5 ans, avec ma mère et mes trois frères, nous avons rejoint mon père qui lui était manœuvre à Marseille. Il habitait une vieille baraque d'une pièce à l'Estac. À l'école primaire, sans passer par la maternelle, c'était un début. Je rencontre celui qui allait devenir mon seul ami. Le bon Dieu l'a appelé qu'il prenne soin de son âme. Voulant séparer deux collègues qui se battaient, il a eu pour remerciement un coup de fusil. En dehors de l'école, c'était la délinquance. Il n'y avait rien d'autre. Pas simple occupation, on cassait, on volait, on ennuyait tout le monde. Avec le sentiment que si on ne nous avait pas entassés là, comme des fromages dans une cave oubliée, il n'y aurait pas de moisissure aujourd'hui. Si vous prenez deux graines venant de la même plante, que vous les semez dans deux endroits différents, l'une, vous la mettez dans un bac à l'obscurité, que vous arrosez une fois par mois, l'autre, dans un beau pot en terre, à la lumière du jour, que vous arrosez régulièrement, elle aura les feuilles bien vertes. Les fleurs qui en sortiront seront plus belles que jamais. L'autre misérable fleur, sans odeur, les feuilles jaunes et desséchées, on oserait la regarder. Alors à qui la faute? Au bout de 5 ans, nous avons quitté la cabane pour un appartement avec 4 chambres, une douche, des toilettes, c'était formidable. Mon nouveau quartier, c'était les Rosiers, dans le 14e. Je suis rentré en CM2 avec la volonté d'arriver à quelque chose, mais je me suis retrouvé dans la situation du loup qui a l'instinct sauvage parce qu'il est né dans un milieu sauvage. J'ai ensuite été en LEP, à Miramas, où je voulais passer un CAP de conducteur routier. Tous les matins, je prenais le train à 6h et je rentrais le soir à 19h30. Les devoirs, c'était dans le train que je les faisais. C'était tous les jours 120 km, c'est-à-dire si j'en voulais. En 1982, j'ai eu mon CAP de conducteur routier avec tous les permis. Je me suis mis à la recherche d'un emploi, mais vu mon jeune âge, j'avais plus de chances de finir chômeur que chauffeur. J'ai ensuite fait divers boulots, manutentionnaire, manœuvre, tout aussi inintéressants les uns que les autres. On était devenus une famille de 8 enfants et 1000 francs de retraite du père. Mon dos a pris un coup au moment où j'ai chargé des bouteilles d'oxygène et d'acétylène pour une boîte intérimaire. Ça m'a valu 6 mois d'arrêt de travail et reconnaissance handicapée. J'ai fait un reclassement professionnel. J'ai compris alors que les hommes à cravate et à mallette ne méritent pas le respect qu'on s'efforce de leur donner en entrant dans leur bureau. Se croyant assis sur un trône, sur une plaque chauffante qu'on devrait les asseoir pour qu'ils ressentent l'effet d'être à notre place. Prenons aussi les flics. Un simple contrôle, soi-disant. En voiture avec 3 collègues, les flics nous bloquent, calibrent à la tête. J'ai dit, pas besoin de faire le combat et c'est vite fait qu'une balle parte. Qu'est-ce que tu veux, les papiers? Tiens, le danger, c'est le flic. Je suis devenu raciste contre cette race-là seulement, la race des cons. Arrangé parmi eux, le milieu de la drogue, je le côtoie tous les jours. Ça me fait beaucoup de peine de voir des gens se suicider lentement. On m'a proposé d'essayer, mais j'ai toujours refusé. J'ai préféré un voyage à la Mecque. Mais quoi que j'ai trouvé ma place auprès des gens plus âgés que moi, mon lieu c'est Marseille. Marseille et moi sommes dans la même souffrance. Marseille, on te crée, on dit que tu fais peur, mais tu as fait de tous ces étrangers tes enfants. Regarde-les aujourd'hui, ils pleurent, ils souffrent, mais sors-les du fond de cet obscur gouffre. Si Rému était là, qu'il voyait défiler raciste, il te crierait. Marseille, tu me fends le cœur, tu me rends le cœur trop triste. Et toi, Canebière, il n'y a pas de quoi être fier, va chercher tes petits et chasse ces infidèles à la vie.